Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun les potos. Glitch, duplication de plaques custom. Donc ça sera des plaques blanches qui pourront remplacer les plaques de chez Beniz. D'accord? Donc elles seront accessibles à tout le monde sur tous les véhicules que vous voulez. Allez, en premier, on va acheter une RH8 et on va la mettre dans notre camion mock. Une fois que vous avez ça, c'est bon. D'accord? Donc il vous faudra un ami, le complexe, l'Avenger et un camion mock. Donc vous avez aussi la même manip pour faire des duplications. Je vous la mets dans la description, la vidéo. Merci à Kevin Poto qui m'aide à faire la vidéo pour vous, les gars. Donc allez, on va commencer le bug. Donc je vais monter dans mon Avenger. Kevin, il va rester à côté de moi pour le moment. Donc là, il faudra être en session pour amis, d'accord? J'ai oublié de vous le dire d'entrée. Session pour amis, obligatoire. Là, vous faites flèche de droite. Vous mettez le curseur sur sortir du complexe et vous allez faire start X, d'accord? Il va falloir faire assez rapidement start et X derrière, juste après. Là, vous dites à votre ami, monte dans l'Avenger. Dès qu'il monte et qu'il s'assoit, il doit avoir un écran noir buggé. S'il n'a pas l'écran noir, les gars, vous recommencez, c'est pas grave. C'est que vous avez mal fait start X. Donc lui, il redescend de l'Avenger et vous recommencez la manip. Start X, assez rapidement. Là, il remonte dedans. S'il est dans l'écran noir, c'est bon, on peut continuer l'étape d'après. Donc là, lui, il me dit que c'est bon. Je vais en online et je vais aller cliquer sur éditeur. Vous allez dans le mode éditeur. Ensuite, il va vous falloir cliquer sur PS, le rejoindre dans la chat partie, rejoindre session. Parce qu'on va vouloir retourner dans la même session. Et surtout avant, vous mettez apparition ou au complexe, ou alors dernière position. Si vous n'avez pas l'appartement dans le complexe, vous ne pourrez pas apparaître dans le complexe. Donc vous mettrez en dernière position. Donc là, il est en privé, il va se mettre en public, que je puisse cliquer sur rejoindre session. Allez, rejoindre session, je vais accepter tous les messages et je le rejoins au complexe. Lui, il a encore bugué dans mon Avenger. Les potos, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Un petit pouce, ça fait plaisir pour soutenir la chaîne. Donc ça sera des plaques pour tous ceux qui peuvent pas avoir iFruit sur leur téléphone et mettre les plaques où ils veulent. Là, vous pourrez prendre tous les véhicules que vous voulez, vous les mettez dans votre complexe et vous faites ce glitch en illimité. Et vous aurez des plaques blanches sur tous vos véhicules que vous souhaitez. Donc là on réapparaît, on va aller débugger notre ami. Donc moi je vous conseille de vérifier sur la carte à ce moment-là, si vous n'avez pas un véhicule dehors. Si vous avez un véhicule sur la map, vu que vous avez changé de session et tout, vous sortez et vous renvoyez votre véhicule ou alors vous le rentrez dans le complexe s'il en vient. S'il vient d'ici, vous le rentrez dedans. Donc moi c'est une habitude, je fais ça à chaque fois pour pas être embêté. Surtout au niveau de la portière. Moi quand je vous ai expliqué le glitch, j'ai oublié de vous signaler qu'il fallait rester appuyé sur triangle. Quand votre ami monte dans le véhicule côté passager, il appuie sur triangle et il reste appuyé sur triangle et vous sortez. Et à un moment vous allez comprendre le timing. Donc des fois c'est dès qu'il ouvre la portière. Des fois, c'est dès qu'il s'assoit dans le véhicule, suivant la connexion. Donc faites des tests. Ce ne sera pas pareil pour tous les joueurs. Allez, mon poteau, il est bugué. Je vais en ligne.
Activité, jouer activité, créée par Rockstar, mission, et vous allez lancer une mission de titan. Une fois que je suis dans la mission de titan, mon ami, lui, va faire PS, il va aller dans le chat party, rejoindre session. Et il aura un message confirmé, tout en noir, d'accord? Il reste sur ce message, il n'y va pas. Un message comme celui-là. Il va pas accepter le message, moi je quitte, et là, il va accepter tous les messages. Une fois que j'ai réapparu dans le complexe, il accepte tous les messages et il descend de l'Avenger. Donc il est buggé et en même temps il est défrisé. Nous, on va aller préparer le camion pour avoir cette plaque blanche. Donc on va sortir, on va appeler notre camion mock, où on a mis une RH8 à l'intérieur. Et il vous faudra rentrer dans ce camion un véhicule de la rue. Mais un véhicule qui rentre dans le camion. Pas n'importe quel véhicule de la rue. Il y en a qu'on peut mettre dans nos garages et il y en a qu'on ne pourra pas. Donc là, vous prenez un véhicule de la rue un peu bas de gamme que vous pouvez rentrer. Donc comme vous allez le rentrer et qu'il n'a pas de balise, il va écraser le véhicule qui est dans le camion. D'accord? Donc la RH8 va disparaître. Et ensuite, vous allez le sortir, ce véhicule de la rue, et l'exploser. Et surtout, ne plus conduire de véhicule personnel pour retourner au complexe. Donc le bug, il est là. C'est qu'on élimine notre véhicule personnel et ça va nous créer une plaque blanche. Donc d'accord, ça c'est le véhicule que j'ai dans mon camion. Je vais le remettre dedans et je vais voler un véhicule de la rue. Allez, c'est parti, renvoyer véhicule. Ou vous le remettez dedans en direct. On va prendre un véhicule de la rue. Et on va mettre ça dans le camion. Bon, bah en tout cas, j'ai vraiment galéré pour cette vidéo. J'ai la guigne. Je l'ai refaite 3 fois. Désolé pour les notifications. Aujourd'hui, c'était pas mon jour. Hein. Allez, on rentre le véhicule de la rue, on le ressort et on le fait exploser. Et là, on est prêt pour faire le glitch avec une plaque blanche. Les potos, venez dans la description. Vous avez Facebook, rejoignez-nous sur Facebook. Vous avez le crew des ADH, rejoignez-nous aussi, les gars. Vous êtes les bienvenus. À vous de voir si ça vous intéresse. Nous serons contents de tous vous avoir. Voilà, on peut monter jusqu'à 1000 dans le crew. Donc là, c'est bon. Véhicule personnel explosé. J'ai plus qu'à me rapprocher du complexe. Vu qu'on est que votre ami il est bugué, le camion ne disparaîtra pas. Donc vous pouvez le rapprocher. Il restera au complexe. Allez, maintenant on va rentrer au complexe et on va faire le glitch. Donc là, on a fait le plus dur du glitch, d'accord? On a tout préparé, on a fait bugger notre ami et tout est bon. Maintenant, on va faire la manipulation la plus simple avec un mini timing quand même suivant les connexions. Donc maintenant, on va aller au véhicule où on veut mettre la plaque custom. Peu importe le véhicule que vous mettrez, ça marchera tant qu'il rentre dans le complexe, c'est bon. Donc là, moi, je vais rentrer dans le véhicule. Je vais attendre qu'il démarre. Mon pote, il va monter dans le véhicule, il va appuyer sur triangle, il va rester appuyé sur triangle, très important. Et dès qu'il rentre, moi, je dois sortir.
Voilà. Et on va trouver un timing comme quoi, lui, il va se retrouver à mon volant. Donc, il va se retrouver conducteur de la voiture. Et là, ça voudra dire qu'on a réussi le bug. Donc, vous voyez, je vous l'ai filmé en une fois. On a quand même fail. Parce que sa connexion, elle est différente des autres. Qu'avec les autres, j'y arrivais de suite. Donc, lui, il fait triangle et il reste appuyé sur triangle. Et moi, je descends. Donc, en gros, lui, ça va pas être quand il ouvre la portière. Ça va être au moment où il s'assoit. Dès qu'il pose son cul sur le fauteuil, et ben là, je pourrais appuyer sur sortir. Ça veut dire on est rapide au final. Donc l'accès au véhicule, peu importe, ça vient pas de ça. Allez, il va appuyer triangle, il reste appuyé sur triangle pendant jusqu'à temps qu'il soit sur le volant. Moi je descends, là il n'a pas bougé. Et ça va marcher. Voilà, je descends trop vite. Donc là, je vais faire vraiment pendant qu'il s'assoit. Ça va marcher. Triangle, il reste appuyé sur triangle, vous voyez, il se retrouve à mon volant et c'est bon. Donc moi je monte à côté. Maintenant on va se mettre au milieu des barrières en verre. Donc dans le passage où il y a les balustres en verre. Donc il va se mettre bien, il va bloquer la moitié de la portière de la Heli-Guy. Que quand on appuie triangle, on est téléporté. Donc là vous voyez, lui il est téléporté, moi je vais au volant. Et je me sors en appuyant triangle, téléportation. C'est bon. Donc le glitch, il est fait. D'accord? Maintenant, il y aura juste manip. Vous allez sur le message sortir. Et vous allez faire X triangle. En même temps. Là, il n'y a pas de timing. C'est tout en même temps. Et vous allez vous retrouver dehors avec la voiture qui aura une plaque blanche. Donc une plaque sans numéro, sans rien. Qui remplace les plaques Bénise. Voilà les poteaux. Et ça, vous pourrez le faire sur n'importe quel véhicule. Donc, je vous conseille déjà au minimum d'avoir une Heli-Guy full avec une plaque comme ça. Comme ça, dès qu'on aura un glitch plaque sale où ça prendra toujours la même plaque, eh bien, vous aurez cette voiture et vous prendrez cette voiture pour dupliquer 20-30 plaques comme celle-là. Donc, ça vous mettra toujours la même plaque et ça sera bon. Ça veut dire que vous avez comme des véhicules custom à chaque fois, vu que quand vous vendez une voiture, vous récupérez votre plaque et c'est comme si vous la mettiez à chaque fois sur la voiture. Parce qu'on ne peut pas vendre deux véhicules en même temps. Allez, c'est parti, on va rentrer le véhicule dans le camion. Et il faudra faire une petite manipulation parce que vous allez voir qu'elle est invisible. D'accord? Ce véhicule, il est bugué. C'est une duplication, mais en même temps, elle est buguée. Donc là, on a créé un véhicule, les gars. Donc là, il est bugué, d'accord? Vous faites changer de session. Et ensuite, on va rappeler le véhicule. On ira dans pavé tactile, véhicule, appeler véhicule personnel. Et là, le véhicule, il sera fait pour de bon. Donc là, ou sinon, j'aurais pu aller dans l'éditeur et rejoindre mon ami comme tout à l'heure. D'accord? Je serais retourné à la même session et j'aurais pu faire d'autres duplications. Moi, je vous en présente une seule duplication avec cette plaque. Duplication Lowrider, les gars. Allez, venez voir dans la description tous les liens qui correspondent à notre chaîne. Donc vos glitch fun sur Facebook. Le crew, les gars. On a besoin de vous tous. Allez, on compte sur vous.
Donc fumée patriotique dans le crew, couleur noire très foncée. Allez les poteaux. Allez c'est parti là, maintenant on va sortir du complexe et je vais vous montrer comment rappeler le véhicule. D'accord? Parce que là il est buggé. Donc par rapport au camion, vous ne pourrez pas appeler votre véhicule personnel. Il vous faudra aller dans véhicule. Et là vous aurez votre véhicule avec la plaque blanche définitivement. Vous pourrez l'appeler n'importe où. Voilà. Vous pourrez l'appeler du camion, vous pourrez l'appeler par votre mécano. Il sera plus frisé. Donc là vous voyez, demander véhicule personnel, c'est pas possible. Donc il vous faut aller dans véhicule, demander véhicule personnel de là. Une fois qu'il est apparu, c'est bon. Ce véhicule, il est à vous. Vous le mettez bien de côté, de pas le revendre bêtement. Voilà. Donc après, il y a un autre glitch que vous avez dans la description où vous pourrez vendre en masse et faire beaucoup de véhicules avec des plaques propres. Donc à chaque fois, vous prendrez les plaques de la duplication, du Faggio ou de la RH8 que vous aurez préparé avant. Voilà les potos, je vous fais des grosses bises, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.